écris quoi? Le prochain sketch. Ah cool! Bah raconte-moi un peu ce qu'il y a dedans. Bah en gros c'est l'histoire d'un mec joué par moi qui a un clone de lui-même qui vient le voir et ça crée des situations un petit peu folles, tu vois le genre. Ah ouais ouais d'accord. Ouais sinon c'est quoi l'élément aguicheur dans l'histoire? Parce que bon vu qu'en ce moment on est un petit peu en baisse de vue et ce serait bien de remonter la pente avec par exemple d'essayer de ne pas rire. Tu me laisses bosser, hein? Ouais, on va faire comme ça, allez, à toutes, hein? À toutes. Jérémy, je t'avais pas dit de te barrer. Alors, ça avance comment l'écriture sur moi? C'est pas sur toi, c'est sur un clone de moi. Ouais ouais, c'est bien ce que je dis, et du coup ça avance comment? Écoute, j'ai pas que ça à faire de déconner. Ouais non, parce qu'en fait ça me concerne un petit peu, j'aimerais bien savoir comment tu tournes l'histoire. Ok, donc ça c'est super chelou. Bah quoi, où est le problème? Je suis en train de parler avec moi, c'est pas très normal, hein. Je vais prendre mes cachets, je pense que c'est bien. Mais bien sûr que c'est normal, Rat, tiens c'est ce que t'as écrit. Ok, donc ça c'est chelou, hein. Chelou? Mais qu'est-ce qui est chelou? Ok, donc si je comprends bien, là on est dans un sketch en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le truc. Ok, non mais en fait, du coup, tout ce que j'imagine, ça se réalise. Ouais, ouais, totalement. C'est le principe d'une fiction. Sauf que là, on n'est pas dans une fiction. Oh, un petit peu quand même. Ouais, ta gueule. Non mais du coup, si je pense là qu'il y ait Jérémy et Esteban qui apparaissent dans la pièce, ça le fait ou pas? Salut. Salut. Alors, ce scénario? Ça avance bien? Ouais ouais non c'est bon, j'ai juste un petit problème mais ça va le faire. Y a pas un petit truc qui vous dérange là dans l'immédiat? Non. Ouais non, parce qu'en fait y a un clone de moi qui est assis juste à côté de moi. Yo. Ouais, mais c'est ce que t'as écrit non? Attends, comment t'es au courant de ça toi? Bah depuis le début c'est comme ça, hein. Tu écris des trucs et hop, ça se réalise. Attends, je comprends pas bien là. Mec, tu nous as créés en nous écrivant. On n'existe pas en vrai, hein. On est juste le fruit de ton imagination. Tout ce qui est sur cette chaîne, c'est faux. Attendez, vous êtes en train de me dire que depuis le début, j'écris ce qui se passe dans les vidéos et ça se passe en vrai? Ouais, et pas que ce qui se passe dans les vidéos, hein. Tout est écrit de A à Z. En réalité, depuis ta naissance, tu es destiné à faire ça. YouTubeur. T'es dans une pièce calfeutrée où tu écris ta vie. Et tout ce que tu vis, ça se passe que dans ta tête. Et c'est pareil pour tous les YouTubeurs. Ils divertissent des gens, mais rien n'est vrai. En fait, c'est une énorme usine qui s'occupe d'eux. Et chacun pense que c'est réel. Enfin, si, ça l'est en quelque sorte. Parce que toutes les vidéos que vous postez existent dans la vie réelle. Mais tu vois, c'est un peu comme du cinéma d'animation très réaliste. Rien n'est vrai. Tout est fait informatiquement à partir de ce que vous imaginez. Ok, je vais me réveiller. Ah, mais tu n'as jamais été éveillé, hein? Tu dors depuis 16 ans. Tout est dans ta tête. Tu es branché à une machine qui simule tout ce que tu inventes. Rien de plus. Non mais comment ça se fait que j'ai pas été mis au courant plus tôt? Bah il arrive que des bugs surviennent dans l'ordinateur auquel tu es relié. Du coup, tu te retrouves dans des situations à peu près similaires à celle-ci. Mais un bug se règle. J'ai peur de pas comprendre là. C'est simple. Il va falloir qu'on te tue. Quoi? Eh, on ne te tue que dans le système informatique, pas en vrai. Tu vas juste recommencer ta journée à zéro. Et tu ne te souviendras plus de ce qui t'est arrivé. Le cours normal de ta vie reprendra. Enfin non, ta vie, je suis bête. Ta simulation. Non mais parce que vous croyez que je vais me laisser faire? Tout est écrit. Tu ne peux rien changer. Mais attendez, il doit y avoir une autre solution, non? Non, Evan. Tu te souviendras de rien. Ne t'en fais pas. Thank you.
ma vie. La vraie. Avait des senteurs de gingembre. Des airs d'eau calme. Et des élans de cheval fou. Mais on est venu de nuit. On m'a lié les membres. Et c'est une autre vie qui m'a mise à genoux.